Cette opération de construction d'Equinox trouve sa place dans un dossier plus large qui est la restructuration d'Interexpo, qui a fait l'objet d'études pendant de nombreuses années et qui, à partir du mois de septembre 2009, a fait l'objet d'une véritable délibération de concrétisation de tous les éléments qui font le programme. C'est-à-dire qu'on a commencé à configurer l'ensemble des parties du programme d'Interexpo et notamment la partie de la salle nouvelle qui à l'époque ne s'appelait pas Equinox, qui pour nous était la Halle D. C'est un chantier complexe, mais souvent les chantiers complexes font que l'organisation est mieux pensée, elle est intégrée dès le départ et elle s'est bien passée. En phase travaux, la réalisation d'Equinox, c'est pas moins de 100 entreprises différentes qui sont intervenues, voilà, pendant 17-18 mois de travaux. On arrive à 3 semaines de fin de travaux, on est à entre 120 et 150 personnes jour sur cette opération. Pour des contraintes acoustiques, sera doté d'un complexe unique en France en couverture. Il a été testé au laboratoire de Bordeaux. C'est unique en France avec des performances très élevées en acoustique pour la protection du voisinage et également pour l'acoustique interne de la salle. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de la part de Bourg-en-Bresse Agglomération de lancer ce concours pour trouver un nom pour le nouveau complexe qui va agrémenter les autres halls pour Interexpo. L'idée a commencé à voir le jour lors d'une leçon de géographie avec mes filles sur le système solaire, d'où l'idée de l'Equinox qui représente également un contraste entre le jour et la nuit puisque ce nouvel espace va accueillir des congrès le jour, des festivités le jour et également des spectacles la nuit. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être assez intéressant. D'autre part, je voulais apporter ma petite touche d'originalité et donc écrire Equinox, E-K-I-N-O-X et non pas l'Equinox comme on peut le trouver dans le dictionnaire. Je trouvais que c'était plus sympa, tout simplement. On avait peu de contraintes liées à l'implantation du bâtiment, hormis une zone d'implantation précise et puis une ouverture, une entrée de bâtiment côté ville. Pour le reste, ensuite, eh bien, c'est sa propre sensibilité qui a donné la direction du projet. On est content, c'est une fierté mêlée de le plaisir d'avoir fait son travail, surtout. Et puis, de se dire, tiens, on va laisser, quand on sera plus là, il y aura encore un témoignage de ce qu'on aura fait. Donc ça, c'est un des côtés assez extraordinaires quand on fait un petit dessin sur le carnet de croquis et qu'on le voit se réaliser et voir vivre des gens à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait le plus beau métier du monde. C'est pas une fin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout commence. C'est-à-dire que l'agglomération a doté ce territoire, ce département, d'une façon partenariale d'ailleurs, d'un merveilleux outil économique, d'un outil économique qui doit être capable de dynamiser globalement ce site d'Interexpo. C'est une histoire de 30 ans qui va s'ouvrir aujourd'hui puisque le site d'Interexpo, les trois halls existants, avaient plus de 30 ans d'existence. Maintenant, on espère qu'avec ce nouvel outil, ce complémentarité Equinox, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour notre territoire.